J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Création by HP. Je suis parmi vous aujourd'hui pour partager une vidéo de décoration, bien sûr, mes inspirations. Cette fois-ci, je voulais vraiment, ou plutôt je voulais avant avoir un tapis en corde. Fait que j'ai décidé de le faire moi-même et de le partager avec vous parce que les tendances maintenant dans tout ce qui est déco, c'est vraiment, ça va vers tout ce qui est neutre, les couleurs beige, les couleurs vraiment qui sont très pâles, tout ce qui est vraiment avec la corde, les ficelles, comme ce que j'ai montré dans la vidéo précédente avec ma petite lampe avec des ficelles et tout. Alors cette fois-ci, ça va être vraiment un tapis avec de la corde. C'est très très simple à faire. C'est sûr, ça prend un peu de temps. Là, si vous avez d'autres personnes ou quelqu'un qui peut vous aider, tant mieux. Les produits avec quoi vous allez travailler, ben, vous pouvez les trouver partout. Vous pouvez même les avoir chez vous à la maison. C'est pas vraiment quelque chose d'introuvable. Et que je vais vous montrer ça. La première chose, on va avoir besoin de la corde. Comme vous pouvez voir, celle-là, je l'ai achetée à 4 $. C'est de la corde comme ça. Mais c'est sûr, vous pouvez choisir le type de corde que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-là, mais il y a vraiment ceux qui sont plus épaisses, moyennes. Fait que ça reste de votre choix. Moi, je partage avec vous juste l'idée, mais c'est à vous de le développer, de faire le décor, le modèle que vous voulez. On va avoir besoin d'un pistolet de colle et bien sûr des ciseaux. Et avant qu'on aille voir la vidéo, n'hésitez pas à liker, de s'abonner à ma chaîne. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Je partage des photos, des vidéos, des astuces de temps en temps. Alors n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. On y va. Des rangs comme ça, fait que comme je disais tout à l'heure, vous choisissez le modèle que vous voulez du tapis. Donc on va former un petit bout. Ici on va mettre un peu de la colle comme ça. Après ça, on va tourner vraiment la corde. On va faire juste des petits points de colle à chaque fois pour former le modèle qu'on veut. Alors je vais continuer comme ça jusqu'à avoir le modèle que je veux et on se retrouve après. Ensuite, ce que je vais faire, je vais juste prendre une petite brosse pour nettoyer vraiment la colle qui est collée sur le tapis comme ça. Et je vais continuer, je vais vous montrer le résultat final.